Jocelyne Delatte nous invite avec entrain dans un monde où la montagne et la forêt sont le cadre privilégié d'aventures hors du commun. Ces courtes mais symboliques histoires mettent en scène des enfants et des animaux qui toujours se comprennent et se reconnaissent. On comprend vite l'origine du titre de ce livre qui évoque à lui seul les soirées paisibles passées au coin du feu, à écouter parler les grands quand notre esprit d'enfant était encore vif et dominé par l'imaginaire et que rien ne paraissait impossible. Un livre sympathique qui véhicule des valeurs universelles et intemporelles par l'intermédiaire de petites histoires qui se finissent toujours bien. L'air pur et montagnard que l'on y respire donne des ailes à l'imagination. À lire aux enfants en priorité, mais ces textes écrits avec justesse et simplicité peuvent également donner de bonnes idées aux jeunes parents, voire aux plus grands. De la vie des lamas dans la cordillère des Andes aux sorties en mer de Bretagne via les randonnées au cœur des Pyrénées sauvages, ce nouveau volet des histoires de mamie invite à l'évasion.